Je vous plais ? Si je vous réponds oui. Ça nous conduit où ? Ça a commencé 4 ans après mon divorce. Je surfais sur le net et je suis tombée sur un site d'escorte. 300, c'est ça ? Tu devrais changer la photo sur ton site. T'es beaucoup plus mignon en vrai, Cédric. Patrick. C'est Patrick. Parfois, je me dis que je devrais faire comme toi. Rien ne t'empêche d'essayer ? Oh, l'idée même, ça me fout le bourdon. Bonjour, monsieur, au revoir, madame. Merci de m'avoir amené. C'est combien ? Vous m'en mettrez une louche, non ? Je paye que pour le plaisir. J'ai suffisamment payé pour le reste. Je me dis tout le temps que j'ai vraiment de la chance d'être avec Marco. Et qu'on s'aime aussi fort depuis le début. Et même plus qu'au début. J'ai envie de jouer avec vous. Qu'est-ce qu'il a de spécial, celui-là ? Il est drôle, il est mignon, il a un beau petit cul. Et je m'amuse avec lui à un tarif très raisonnable. Ça te va comme explication ? Allô ? Ah non, vous faites erreur, il n'y a pas de Patrick ici, madame. C'est comme ça que ça a commencé, la merde. Tu la connais ? On est mariés depuis 4 ans, alors forcément, il me connaît. S'il te plaît, Fanny, ouvre ! Il faut que je te parle, Fanny, s'il te plaît ! Mais quand ici, tu me dégoûtes ! Séquence psychodrame, ça chie dans la colle. Vous pouvez pas nous foutre un peu la paix, merde, à la fin ! On peut pas baiser, on peut pas péter, on peut rien faire dans cette baraque ! Tu fous tout en l'air à 53 ans simplement parce que t'as découvert que t'étais aussi vaginale ? C'est pathétique. Tu couches avec des types que tu connais même pas, que tu reverras jamais, et tu me fais la morale ? Mais enfin, c'est le monde à l'envers ! Maintenant encore ça va, mais dans 10 ans, comment ce sera de te taper des minets ? Plus cher. Ce sera plus cher, c'est tout.